Augustinho, vous restez avec nous pour jouer aujourd'hui, bien évidemment. Nécanor aussi, un super génie dans l'arène des petits génies. Vous voulez me faire passer bien pour sûr. Un cancre aux yeux, non, aux yeux c'est des téléspectateurs. C'est un super, vous le connaissez, n'est-ce pas? Aux yeux des téléspectateurs. L'arène des champions, ça vous dit. Oui, bien sûr. Voilà, donc un super génie dans l'arène des petits génies. Aujourd'hui, on a 3 minutes pour répondre à 5 questions. Et je sais, Nicanor, que vous avez les réponses. Bruno, il va falloir être très actif aujourd'hui parce que le combat s'annonce être un combat de gladiateurs. Comment ça se passe? Alors, je dis les indices. Le premier à trouver la réponse, il donne la réponse. Il donne la réponse. Alors, vous êtes en équipe de 2-2. D'accord. Ah, okay. D'accord. Donc, on fait équipe. Les deux messieurs et monsieur, dame, on y va. Allez. Très rapidement. Alors, qui suis-je ou que suis-je? Je suis un des plus vieux prolifiques orchestres d'Afrique. Je totalise plus de 50 ans d'existence avec une centaine... Polyrythmo, bien évidemment. Qui a dit en premier? Voilà. Moi, j'ai tapé. Le Polyrythmo, un point pour l'équipe de Nicanor. On va y aller très rapidement. On va dire qu'on a tapé au même. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis titulaire d'une maîtrise de lettres modernes. Je suis également diplômé en journalisme et en entrepreneuriat culturel. Après une courte expérience comme professeur de français, je me consacre au journalisme. J'ai été rédacteur en chef au Canal du Golfe, puis à Habito, journaux satiriques. En quelques années, j'ai réussi à construire une œuvre littéraire originale, composée de romans, nouvelles, pièces de théâtre, mais également de bandes dessinées et de séries télévisées. Mes œuvres ont reçu plusieurs récompenses, dont entre autres le prix Chikaya Otamsi, le prix de la francophonie de littérature de jeunesse, le prix de l'excellence du Bénin, meilleure plume de la décennie, le prix Amadou Kourouma. Je suis l'auteur de l'ouvrage Les fantômes du Brésil. Florent Kouazoti. Un point donc supplémentaire pour l'équipe A. Vous entendez. 2-0. Ça a pris du temps. 2-0. Troisième question, très rapidement. Qui suis-je? Je suis descendant d'une famille aristocratique peul, né au Mali en mine. Amadou Kourouma. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Écrivain, historien, ethnologue, poète et conteur, je suis l'un des plus grands spécialistes de la culture peul et des traditions africaines. Ouais. Chercheur à l'Institut français d'Afrique noire de Dakar dès 1942, je fus l'un des premiers intellectuels africains. La réplique a recueilli, transcrit et expliqué les trésors de la littérature orale. Peul. Amadou Ampateba. Amadou Ampateba. 3-0. En 1962, au conseil exécutif de l'UNESCO, où je siégeais depuis 60, j'ai attiré l'attention sur l'extrême fragilité de la culture ancestrale en lançant une phrase devenue très célèbre, je cite, « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. » Je suis Amadou Ampateba. Quatrième question, c'est vrai qu'ils ont déjà la victoire. J'ai déjà la victoire, 3-0. On joue pour le plaisir. Ah, je suis un écrivain et homme politique malien, né en 1928 à Bamako, médecin de formation, je suis l'auteur. Modibo Keïta. Seydou Badian. Pardon? Modibo Keïta. Mauvaise réponse. Seydou Badian. Seydou Badian. Le médecin de formation. Dans mes œuvres, je mets en scène, je suis l'auteur de l'hymne national du Mali, dans mes œuvres, je mets en scène le conflit entre les valeurs traditionnelles et la modernité. Identifié à l'esprit du colonisateur, j'ai tiré ma révérence le 28 décembre 2018, auteur de plusieurs ouvrages. Le plus célèbre de tous reste sous l'orage. Je suis Seydou Badian. Et dernière question, ça fait 4-0, messieurs, n'hésitez pas. Ça fait 2-2. On se départage. Donc la question pour départager. Alors pour finir, oui. Je suis une distinction qui récompense la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples. À la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation du progrès pour un monde meilleur. Je suis décerné chaque octobre. Le prix Nobel. Le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix. Ah Merci à vous, chers messieurs. C'est justement dans cette ambiance qu'on met un terme à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes restés en notre compagnie. Merci surtout, prenez le rendez-vous déjà, c'est demain à partir de 7h, bien évidemment, parce que justement, sans vous, nous n'existons pas.